Bonjour et bienvenue dans cette session qui a été initialement présentée lors de la journée du Rebuild, le 2 octobre 2014 à Nantes, par les communautés Microsoft. Les sponsors du Rebuild, grâce à qui l'événement a pu être gratuit. Alors, on est ensemble pour une demi-heure, trois quarts d'heure, et le sujet que je vais aborder, c'est les trois moteurs de stockage qui sont disponibles pour stocker les données et pour restituer les données avec SQL Server 2014. Alors je vais commencer par rendre à César ce qui appartient à César. Cette présentation est très largement inspirée de la session qu'avaient fait Aurélien Coppel et Frédéric Pichot lors de l'édition 2014 des TechDays. Je suis Benjamin Vezan, je suis consultant et formateur pour une société qui s'appelle CapData, qui elle-même est la filiale d'un groupe qui s'appelle le groupe Osmodium. Si vous voulez des détails sur CapData ou sur Osmodium, je vous invite à regarder sur Internet. Alors, SQL Server, comme les autres moteurs de base de données, sont plus que jamais au cœur de l'IT, puisque notre SQL Server il va héberger les données de très nombreux logiciels, donc des logiciels de Microsoft et des logiciels, bien sûr, des divers tiers. On peut, par exemple, comme produit phare, parler de SharePoint ou de Dynamics, qui sont des bons consommateurs de données. Et puis, plus globalement, tout ce qui est source de données pour la BI, ça va être du SQL Server ou un moteur concurrent. Et puis bien entendu, chaque fois que vous avez des développements internes qui vont nécessiter du stockage de données, vous allez très facilement faire appel à SQL Server. Lorsqu'on parle d'accès en base de données, on va distinguer trois principaux types d'accès. Le premier, c'est le type équilibré. Le second, c'est le fortement transactionnel. Et le troisième, c'est sur des fortes volumétries. Alors, le premier type d'accès, donc l'accès équilibré, c'est l'accès traditionnel à nos données. C'est l'utilisation qui est de loin la plus courante d'une base de données. On a affaire à des tables de volumétrie raisonnable. Par volumétrie raisonnable, j'entends qu'on ne va pas brasser des teraoctets de données dans chaque table. Et puis, on a une activité qui correspond à des consultations et de la modification de données qui sont sans concurrence excessive. Si on prend SharePoint, ça compose un bon exemple de l'utilisation équilibrée d'une base, puisqu'on n'a pas excessivement de modifications, on a beaucoup de consultations et on a des tables de volumétrie vraiment raisonnables. Le deuxième type d'accès en base, c'est l'accès massivement transactionnel. On parle de OLTP pour l'acronyme de Online Transaction Processing. Dans ce type de modèle, on se retrouve avec des tailles de volumétrie faibles ou raisonnables, mais surtout, on a une très grosse fréquence de modification des données. On va faire plusieurs milliers de transactions par seconde, voire plusieurs dizaines ou centaines de milliers de transactions par seconde. Un bon exemple de base en OLTP dans le monde Microsoft, c'est quand vous gérez l'état de sessions, typiquement de sessions de serveur web. Avec ASP.NET, on a un mode qui s'appelle le Session State SQL Server, donc c'est SQL Server qui va héberger les données correspondant à l'état des sessions. Le troisième type d'accès, c'est VLDB. Donc VLDB, c'est l'acronyme de Very Large Databases. On va aussi parler de base décisionnelle, d'entrepôt de données ou de data warehouse. Donc dans ce modèle-là, on a des tables de très forte volumétrie. On va parler de plusieurs teraoctets de données potentiellement. Le modèle de données, il est dit en étoile ou en flocon. C'est-à-dire qu'on a une table principale, une table centrale, qu'on va appeler une table de fait, qui va contenir plusieurs centaines de colonnes et plusieurs millions, voire plusieurs milliards d'enregistrements. On va faire des consultations sur des lots de données. On va rarement récupérer une ou deux lignes de notre table. On va récupérer des grosses portions de la table systématiquement. On n'a pas ou peu de modifications en temps réel. On va avoir des modifications typiquement en nocturne par batch. Quand on vous parle de big data avec du stockage relationnel derrière, c'est du VLDB. Et puis globalement, quand vous avez des forts stockages de données pour des besoins de BI, vous avez affaire à la VLDB. Alors pour bien comprendre les enjeux et les problématiques qu'il va y avoir derrière l'utilisation de VLDB ou de base de type OLTP, je vais vous détailler un petit peu le stockage traditionnel des données. Donc j'ai une table ici, une table d'employés avec 6 colonnes et quelques lignes. Et si je regarde le stockage de ma table, le stockage classique, il est le suivant. On a des pages de 8 kilooctets qui vont contenir les différentes lignes de ma table. Donc dans l'exemple ici, je vois par exemple l'enregistrement 42 de ma table, l'enregistrement 42, il est stocké intégralement dans cette première page. Donc ça, c'était pour le stockage des données. Si je regarde maintenant la validation d'une transaction,
je vais avoir pas mal d'infos dessus. Alors, j'ai un utilisateur dans son application cliente qui débute une transaction. Quand il débute sa transaction, dans l'instance SQL Server, on a une structure mémoire qui s'appelle le log buffer, dans lequel SQL Server va ajouter un enregistrement pour dire voilà, j'ai une transaction qui débute, identifiée par son identifiant unique. Maintenant, mon utilisateur va faire un update sur la table des employés du slide précédent. Donc, il va modifier une valeur pour l'employé 42. Qu'est-ce qui va se passer? Dans le log buffer, on va avoir ajout d'une information disant la transaction identifiée tout à l'heure va modifier telle portion de telle page de données. Et puis, cette information, assez rapidement, il va l'écrire dans le journal transactionnel, donc qui est matérialisé par le fichier LDF de ma base de données. Puis, une fois que cette information est écrite sur disque, on a le bloc de données, la page de données, dans une autre structure mémoire qui s'appelle le buffer pool, qui va être modifiée. Maintenant, mon utilisateur veut valider cette transaction, donc il va exécuter l'ordre commit. Et bien, quand il exécute l'ordre commit, j'ai toujours dans mon log buffer une information qui s'écrit pour dire la transaction a été validée. Puis cette information est immédiatement écrite sur disque, toujours dans mon journal de transaction. Et ce n'est qu'une fois que le disque a validé l'écriture de l'information que SQL Server renvoie à l'utilisateur le fait que sa transaction est validée. Et puis, hors séquence, la page de données qui a été modifiée, l'ensemble des pages de données qui ont été modifiées, sont écrites sur disque dans mon fichier LDF de la base. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que concrètement, la vitesse d'écriture sur le disque qui héberge mon fichier LDF eh ben, va vraiment conditionner la vitesse d'une transaction. Puisque quand je fais un commit, il faut que j'attende une écriture sur disque avant de voir la validation de ma transaction. Et par contre, la vitesse d'écriture dans mon fichier de données n'est pas très importante. Enfin, elle va pas en tout cas conditionner le nombre de transactions que je vais pouvoir faire. Alors, où est-ce que ces mécanismes de stockage classiques et ce mécanisme transactionnel vont poser problème? Et bien, si je regarde le cas d'une VLDB, je vous ai dit qu'on avait en général une table de fait. Donc, on va partir ici d'une table de fait qui contiendrait une centaine de colonnes et potentiellement plusieurs millions de lignes. Et puis, si je fais une requête toute simple, par exemple, donc une requête dans laquelle je veux sélectionner 4 colonnes et travailler sur une cinquième colonne en l'utilisant comme filtre dans ma table de fait. Et bien, si j'ai 100 colonnes, SQL Server va lire sur disque, puis stocker dans le buffer pool, puis rapatrier les 100 colonnes pour les lignes qui correspondent à mon filtre. Donc, il va brasser 95 colonnes inutiles. Donc, il va travailler que sur 4 colonnes plus une. Donc, on a 95 colonnes qui vont être brassées et qui vont être remontées en mémoire inutiles. Lorsqu'on agrège des données, donc si typiquement ce que je veux faire, c'est maintenant la valeur moyenne de la colonne 5 et la somme de la colonne 19 et je ne sais pas quoi, eh ben, il va être fréquent d'avoir à balayer l'intégralité de la table. Je vous ai dit qu'une table de fait, ça pourrait faire des téraoctets de données. Donc le balayage, il peut être extrêmement long. Et puis on a un problème aussi, c'est que la compression des données, elle n'est pas très efficace sur ce type de table, parce que la compression des données, elle consiste à retrouver des motifs qui se ressemblent. Et quand on a une table de fait avec pas mal de colonnes comme ça, eh bien, dans une ligne, il y a peu de chances qu'on retrouve des motifs qui se ressemblent, puisque les colonnes ont des types différents et ont des valeurs qui sont, par définition, relativement différentes. Donc ça, c'était le problème pour les bases de données de forte volumétrie. Le problème, quand on fait de l'OLTP, eh bien, va s'illustrer quand on prend toujours notre table qui va gérer l'état des sessions d'une application web. Alors on va dire que chaque session va rafraîchir son état toutes les secondes. Si j'ai un site web qui est assez populaire et qui a par exemple en période de pointe 100 000 sessions, eh bien je me retrouverai à faire 100 000 transactions par seconde. Donc 100 000 écritures par seconde dans le journal des transactions. À ce jour, on a très peu de disques qui savent soutenir un débit de 100 000 écritures par seconde. Je vous ai mis un petit tableau récapitulatif. Là, on voit que avec des disques classiques SATA, on est bien loin même du millier d'écritures par seconde. Avec du SSD, on peut commencer à taquiner les quelques milliers de transactions par seconde. Et puis, il faudrait commencer à constituer. Donc, si on constitue un RAID 1, par exemple, de SSD, on devrait pouvoir monter à peut-être 10 000 écritures par seconde.
mais on est quand même bien bien loin de nos 100 000 transactions par seconde. Notre mémoire, par contre, elle sait très largement encaisser les 100 000 écritures par seconde, puisque aujourd'hui, avec de la DDR3, on est plutôt de l'ordre de 100 millions d'écritures par seconde. Alors, SQL Server, on va faire une technologie qui s'appelle InMemory, qui a un nom plus précis qui s'appelle la technologie X-Velocity, va pouvoir nous permettre de répondre à ces problématiques. Alors tout ça, ça part d'un constat qui dit que, qui est que, pardon, la mémoire, elle coûte de moins en moins cher. Et Windows sait gérer une volumétrie vraiment importante de mémoire avec ses versions récentes. Windows Server 2012 sait gérer jusqu'à 4 Teraoctets de RAM. Donc les versions récentes de SQL Server, elles savent tirer profit de l'utilisation de cette forte quantité de mémoire. Pour ce qui nous intéresse, ça va se décliner en deux mécanismes. Le premier mécanisme s'appelle Memory Optimized Cluster Column Stored Index. C'est un projet qui s'appelle Apollo et qui va répondre aux problématiques de VLDB. Et puis la deuxième techno, c'est X-Velocity Main Memory Optimized OLTP. C'est ce qui va répondre à la problématique OLTP et le code de ce projet, pardon, c'était I14. Donc pour la partie VLDB, donc on parle d'un mécanisme qui s'appelle le Clustered Column Stored Index et qui est en fait un concept de stockage vertical. Donc les pages de données, elles ne stockent plus l'intégralité des lignes, mais elles stockent les valeurs d'une unique colonne. Donc on voit bien que ma ligne, elle est éclatée en plusieurs pages. Les données, elles sont regroupées en lots de 1 million. On parle de gros groupes, donc de groupes d'enregistrement. Et le groupe de 1 million d'entrées pour une colonne, qu'on appelle le segment de colonne ou le colonne segment, il est compressé. Donc si je regarde encore mon enregistrement 42, eh ben, je me retrouve avec un stockage de ces enregistrements qui est éclaté, là, dans le cas qui nous intéresse, en 6 pages. Alors on a pas mal d'avantages grâce à ce mécanisme de stockage vertical. Le principal avantage, eh bien, c'est qu'on va réduire les pages brassées sur disque. On ne va rapatrier que les colonnes nécessaires pour les requêtes. C'est ce qu'on appelle de l'élimination de colonnes. Si je reviens dans mon exemple de tout à l'heure, eh bien, si ma table qui contenait mes 100 colonnes, elle était organisée avec un cluster column stored index, si je voulais travailler sur 5 colonnes, eh bien, je n'aurais qu'à rapatrier les pages qui concernent mes 5 colonnes. Donc les 95 colonnes excédentes, eh bien, j'aurais pas à les brasser. Donc je réduis considérablement les pages que je brasse sur un disque. Ce qui est intéressant aussi, c'est que ma compression va être fortement améliorée. Parce que les données d'une même colonne, comme elles sont stockées ensemble, elles vont être mieux compressées. Pourquoi elles vont être mieux compressées? Parce que dans une même colonne, on va avoir plus de chances de trouver de la redondance que dans l'intégralité d'une ligne. Les agrégats vont être fortement améliorés, puisque on n'a plus à parcourir toutes les pages. Même si on doit brasser toutes les valeurs d'une colonne pour mes 100 milliards de lignes, eh bien, je ne vais pas brasser l'intégralité de ma table, je vais brasser que les pages qui correspondent à cette colonne. Alors il y a quand même un certain nombre d'inconvénients avec ce stockage vertical, c'est qu'on ne peut pas mettre de clé sur la table, alors, pas de clé primaire ou pas de contrainte d'intégrité référentielle, ou pas de contrainte unique non plus. Concrètement, on ne peut pas mettre d'autres index que ce cluster column stored index qui formate le stockage de ma table. Les insertions et les modifications, elles sont un petit peu plus coûteuses que sur une table classique. Parce qu'on a un mécanisme qui s'appelle le Delta Restore pour les insertions et les modifications, et le Delete Bitmap pour les suppressions. Alors il faut savoir qu'avec la version 2012 de SQL Server, on pouvait très difficilement faire des insertions ou des modifications. Là, on peut le faire, mais c'est un petit peu plus coûteux. Bien sûr, cette fonctionnalité n'est disponible qu'en édition Enterprise et en édition Developer et en édition Évaluation. Donc c'est quand même un inconvénient aussi. Et puis il y a un certain nombre de types de colonnes qui ne sont pas supportées. C'est les types géographiques et géométriques, tout ce qui constitue le spatial, le type XML et les différents types max, donc les varchar max par exemple. Ça c'est contournable si on fait ce qu'on appelle du partitionnement vertical, c'est-à-dire que concrètement vous avez votre table qui va être organisée de type cluster column stored index qui va héberger toutes les colonnes classiques. Et si vous avez des colonnes de type XML, spatial ou max, vous allez pouvoir créer une table à côté qui n'aurait qu'une colonne et avec laquelle on pourrait faire de la jointure au moment de retrouver vos données. Et là, je vais faire une petite démonstration pour ce cluster column stored index. Alors, pour cette démonstration, je suis parti de l'exemple de Microsoft Adventureworks GotaWarehouse 2012.
qui a une table qui s'appelle Fact Internet Sales, donc qui est une table de fait, mais qui a pas beaucoup de lignes, je vais avoir 60 000 lignes je crois par défaut. Donc cette table-là, il a fallu la gonfler un peu. Ma table à moi fait 7 000 en ligne. Et puis, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris l'intégralité de la table Fact Internet Sales et je l'ai déversée dans une table qui s'appelle Fact Internet Sales underscore CCI, donc pour cluster, cluster index. Et ensuite, sur cette table-là, cette nouvelle table, eh bien, j'ai créé un index de type cluster column store. Donc, j'ai transformé ma table en stockage vertical. J'ai fait la même chose pour les plus petites tables, donc les tables de dimension. Mais ça a un impact moins fort. Donc déjà, je vais regarder la taille de mes deux tables. Donc, Fact Internet Sales et puis Fact Internet Sales CCI. J'ai 7 millions de lignes. J'ai un peu plus de 3 gigas pour ma table Fact Internet Sales. Je regarde ma table Fact Internet Sales CCI, j'ai toujours bien sûr le même nombre de lignes. Par contre, déjà en volumétrie, j'ai considérablement gagné puisque j'ai une table qui fait 150 mégaoctets. Ça veut dire qu'on a une compression qui a très bien fonctionné sur cette table. Je vous parlais des row groups et des segment groups. Hop. Je vais regarder les groupes de lignes. Donc j'ai une table de 7 millions 7, je crois, j'ai dit comme ligne. Et bien là, je vois que j'ai des groupes. Donc j'ai 7 groupes de 1 million de lignes, et puis 2 groupes plus petits. Donc ça correspond aux fameux groupes d'enregistrement dont je vous parlais tout à l'heure. Et puis je vais regarder les segments. Donc les segments, c'est ce qui correspond au stockage d'une colonne. Donc bien entendu, j'en ai beaucoup plus parce que j'ai pas mal de colonnes dans ma table Fact Internet Sales. Mais ce que je vois, c'est que, bah, par exemple, je prends Product Key, je vois que le premier segment qui héberge un peu plus d'un million de lignes d'enregistrement, je vois sa taille sur disque, et ce qui est intéressant aussi, c'est que je vois que dans ce segment, donc le segment 0, la valeur minimale de Product Key c'est 214, la valeur maximale de Product Key c'est 206. Donc, c'est-à-dire très concrètement, si je veux faire une requête avec un where Product Key supérieur à ou égal 208, et ben SQL Server automatiquement ne va pas travailler dans ces différents segments, puisqu'il sait que on sort des valeurs min et max qui existent pour ces segments. C'est la fameuse élimination de segments dont je vous parlais tout à l'heure. Alors, hop, je vais mettre en place les statistiques de temps pour regarder un petit peu le temps que va prendre ma requête, et je lance ma première requête. Donc cette requête, qu'est-ce que c'est? C'est une requête dans laquelle on veut, par année et par zone géographique, la somme des quantités de produits qu'on télécharge. Je vais attendre un petit peu. Voilà. C'est pas le résultat qui m'intéresse. C'est le temps d'exécution. Cette requête a mis à peu près 13 secondes pour tourner. Maintenant, je prends la même requête, sauf que j'utilise plus mes tables classiques, j'utilise mes tables CCI que j'ai créées tout à l'heure. Mes tables qui sont en cluster comme sur index. Et la requête c'est la même et les données sont les mêmes. J'exécute ma requête et là c'est beaucoup plus rapide. J'ai mis moins de 500 millisecondes pour exécuter cette nouvelle requête. Donc j'ai gagné un facteur 20 sur l'exécution de ma requête parce que j'ai brassé des données beaucoup plus faibles en volumétrie. Et puis que pour tout ce qui était agrégat, j'ai été plus rapide. Voilà, je pense que cette démo est relativement convaincante. Alors, après cette démonstration sur le cluster column store d'index, on va s'intéresser à la partie OLTP. Donc, la partie OLTP, je vous ai dit que c'était un projet qui s'appelait Hekaton. Le concept de Hekaton, c'est de stocker des tables en mémoire. Donc, les tables et leurs index sont stockés dans une zone mémoire. À part, donc il n'est pas le buffer. On va pouvoir choisir de stocker sur disque soit la structure de la table, et donc pas les données, soit la structure et ses données. Les index ne sont jamais stockés sur disque, ils sont créés à la volée quand on ouvre la table. Ce qui est très intéressant et ce qui va fortement conditionner les performances, c'est qu'on n'a plus de mécanisme de verrou. On n'a pas de lock et on n'a pas de latch. Donc nécessairement, on n'a pas de deadlock. Alors comment est-ce qu'on va pouvoir gérer la concurrence de transactions? Eh bien, on utilise un concept qui s'appelle le multiversioning, c'est-à-dire concrètement chaque ligne, elle va avoir une date et une durée de validité. Donc en gros, elle a une date de début de validité et une date de fin de validité. C'est-à-dire que les modifications elles vont être ajoutées les unes aux autres. Je vais vous montrer très concrètement dans les slides suivants comment ça fonctionne.
Lorsqu'on a des conflits de modification, c'est la dernière transaction qui a parlé, entre guillemets, qui est validée. Les autres transactions sont annulées. Et puis, on le verra dans la démo notamment, on a la possibilité de créer des procédures stockées qu'on appelle en native compilation, c'est-à-dire que au lieu d'être interprétées, puisque les procédures stockées classiques en standard SQL sont interprétées, et bien là on va avoir des procédures stockées qui vont être compilées, c'est du C#, donc ça va aller beaucoup plus vite, ça va beaucoup moins consommer de cycle CPU. Donc je vais vous présenter le stockage de cette OLTP et la façon de gérer les transactions. Donc je reviens sur mon exemple de stockage de session pour une appli web. J'ai donc une table qui va avoir trois colonnes, une colonne pour l'identifiant de session, une colonne pour le nom d'application et une colonne pour la date d'expiration. Eh bien, c'est un petit peu comme si à ces trois colonnes-là, on avait une espèce de pseudo-colonne gérée en interne par SQL Server qui stockait la durée de vie de chacune des lignes. Dans mon exemple, chaque transaction va être identifiée par un numéro qui va s'incrémenter avec le temps. À l'état initial, je vois que dans ma table, j'ai deux lignes. Donc j'ai une ligne qui correspond à l'application 1 et une ligne qui correspond à l'application 2. Chacune des lignes, on voit qu'elle a une durée de validité. Donc ma ligne pour l'application 1, elle a été créée, elle a été insérée dans la table par la transaction 100 et elle est toujours valide, donc elle a une durée de vie qui est de 100 à plus l'infini. Et ma table pour l'application 2, a priori, elle a été créée avec la transaction 200 et elle a une durée de vie de 200 à plus l'infini. On est à la transaction 220 et j'ai un utilisateur qui fait une suppression de la ligne qui correspond à session 1, 2, 3, 4, 5, 6 et app. Donc il va supprimer cette donnée. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, ce qui va se passer, c'est que au lieu de supprimer purement et simplement la ligne, on va modifier la durée de vie. Donc on va dire que cette ligne-là, elle n'est valable que entre la transaction 100 et la transaction 200. Donc elle est plus valable jusqu'à plus l'infini. Ça veut dire que concrètement, quand je vais avoir une autre transaction qui va vouloir lire la donnée, si elle a un identifiant de transaction qui est supérieur à 220, elle ne verra pas la donnée. Et c'est ce qui arrive, j'ai une transaction qui a l'identifiant 230 qui va vouloir lire sa donnée. Donc elle fait son select étoile comme session. Et bien comme elle a l'identifiant 230, le moteur ne va pas lui présenter la ligne qui a une durée de vie qui s'arrête en transaction 200. Ensuite, à T235, eh bien, j'ai une nouvelle transaction qui va mettre à jour la date d'expiration de ma session pour APP2. Donc, j'ai l'utilisateur qui a fait quelques clics souris, et donc je vais modifier sa date d'expiration. Et bien là, même chose, hop, on va avoir une première modification qui va dire que la valeur actuelle de la ligne, celle qui disait qu'on avait une expiration qui était jusqu'à 13h35, elle ne va plus être valable jusqu'à plus l'infini, elle va être valable uniquement jusqu'à la transaction 235. Et on va ajouter une nouvelle entrée dans cette table qui correspond à ma ligne pour APP2 avec la valeur d'expiration à 13h40. Mais par contre, celle-ci, elle va être valable de la transaction 235 jusqu'à plus l'infini. À la transaction 250, j'ai un mécanisme qui s'appelle le Garbage Collector, lui qui va venir un petit peu purger les données qui sont obsolètes. Le Garbage Collector passe et va regarder la plus ancienne transaction ouverte. Donc la plus ancienne transaction ouverte, si je regarde dans ma partie de gauche, c'est la transaction 230, sur laquelle j'ai fait un begin tron. Donc le Garbage Collector va se dire, tout ce qui est transaction inférieure à 230, je vais pouvoir faire du nettoyage. Donc concrètement, il va pouvoir nettoyer la ligne qui correspond à APP1 puisqu'elle a une durée de vie qui s'arrête à la transaction 220, il va pas pouvoir supprimer la ligne qui correspond à la transaction, mon ancienne version de la ligne pour APP2 puisque elle finit sa vie en 230. Hop, donc le garbage collector, il supprime de mes lignes. Je continue à avancer dans mes transactions. À transaction 256, j'ouvre une transaction. Je sais pas d'ordre pour l'instant. La transaction 260, qu'est-ce qu'elle va faire? Eh bien, elle va de nouveau dire que l'utilisateur a fait des modifications, donc on va repousser la date d'expiration de sa session. Donc elle va refaire comme tout à l'heure. Elle va dire que la ligne actuelle, elle est plus valable jusqu'à plus l'infini, mais elle est valable jusqu'à la transaction 260. Et elle va ajouter sa propre ligne, qui est valable de 260 à plus l'infini, et qui a comme date d'expiration 13h55.
Et bien maintenant, si ma transaction 256 qui a fait un bail-in 30 tout à l'heure, elle veut supprimer une ligne de APP2, donc la ligne qui vient d'être modifiée, et bien cette session-là, elle va se prendre une erreur, donc c'est l'erreur 41302, et ça va annuler sa transaction. L'erreur 41302, c'est une erreur qui n'arrive que dans le cadre de table en mémoire. Donc c'est bien qu'il faudra qu'elle rejoue sa transaction. Alors on a la possibilité, même si c'est clairement pas le mécanisme de fonctionnement optimal des tables en mémoire, on a la possibilité de faire de la persistance de données. Cette persistance de données, je vous la présente très rapidement, elle passe par un data file. Donc un data file, ça contient l'ensemble des lignes d'une ou plusieurs tables. Ça va contenir donc les données et la date de validité des différentes données. Et à chaque data file, on va associer un delta file. Un delta file, eh bien, il va contenir les valeurs des lignes qui ont été modifiées récemment, qui ont été ajoutées récemment ou qui ont été supprimées récemment. Datafile et deltafile sont modifiés via un thread qui s'appelle le offline checkpoint. Régulièrement, un datafile va être mis à jour à partir de son deltafile, donc les modifications vont être reportées dans le datafile, et plusieurs datafiles qui se retrouvaient à être trop vides, entre guillemets, eh bien, ils peuvent se retrouver fusionnés. On parle de merge. Alors, pourquoi je vous ai dit que c'était pas forcément le mieux de faire de la persistance de données? Eh bien, parce que l'activité dans le journal transactionnel, si on a des tables en mémoire ou si on a des tables classiques, quand on fait de la persistance de données dans une table en mémoire, eh bien, ça va être la même chose. C'est-à-dire que les enregistrements de transactions, ils sont écrits dans le même journal de transactions que pour les tables classiques. Donc, on a vraiment intérêt à faire attention, on va placer le fichier LDF de notre base de données. Bien entendu, quand on fait pas de persistance de données, on n'a pas besoin d'écrire sur disque que les transactions, elles doivent être validées. Alors, il y a quand même pas mal d'avantages, fort heureusement pour nous, à ces tables en mémoire. Bah, le premier et le plus grand, c'est bien entendu l'accès et la modification des données des index est très rapide, puisqu'on n'a pas de verrou et qu'on travaille exclusivement en mémoire, les accès sont très très rapides. On a enfin la possibilité de faire des tables non durables en mémoire uniquement. Alors, historiquement, quand on voulait travailler sur des tables temporaires, on créait justement une structure de table temporaire, mais qui était matérialisée dans la base TempDB. Ensuite, on a les variables de type table qui sont apparues, mais les variables de type table, contrairement à ce qu'on peut croire, elles ne sont pas stockées en mémoire, elles sont bien stockées aussi dans TempDB. Donc avec SQL Server 2014 et la technologie des tables en mémoire, on a enfin la possibilité de dire que pour des tables de travail, par exemple, on va les stocker exclusivement en mémoire. Ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est complètement compatible avec les solutions de haut dispo de SQL Server. Donc tout ce qui est Always On, Database Mirroring, c'est compatible. Il y a des inconvénients. En gros, tout ça, c'est fait pour des tables qui sont très fréquemment utilisées, qui sont de faible volumétrie. Bien entendu, ça consomme de la mémoire. Hein. Microsoft recommande deux fois la taille max de la table réservée en mémoire, et pas plus de 250 Go au total pour l'ensemble de nos tables en mémoire sur une instance. On va pas pouvoir faire de transactions sur plusieurs bases. C'est-à-dire que si j'ai une table en mémoire sur ma base Toto et que je veux faire une jointure avec une table classique sur la base Titi, ça ne marchera pas. On peut pas faire non plus de transactions distribuées. La taille des lignes, elle est limitée à 8060 octets. C'est des petites tables. Pour alléger les mécanismes de gestion de transactions, on va pas pouvoir mettre de trigger, on va pas pouvoir mettre de clé étrangère, on va pas pouvoir mettre de contraintes de type check. On va pas pouvoir non plus mettre d'identity, mais on a la possibilité, depuis 2012, je crois, d'utiliser des séquences. Donc en gros, tout ce qui va nuire à l'activité transactionnelle, ça n'est pas supporté. On va pas non plus pouvoir faire de alter table. Si jamais on veut modifier le typage d'une colonne, ou ajouter une colonne, ou supprimer une colonne, faut dropper la table et la recréer après. Et puis, la gestion de tout ce qui est nouvelle tentative, quand on se fait annuler une transaction, aller à revoir, il faut attraper cette fameuse erreur 41302 pour rejouer ou pas une transaction. Si on veut profiter du concept de compilation native, les procédures stockées qui sont compilées en C et plus en Transact SQL, et bien il faut revoir un certain nombre de procédures stockées. Mais c'est pas obligatoire. Et puis, si vous choisissez de faire des tables durables en mémoire, et bien vous écrirez quand même dans le journal transactionnel, donc il faut faire attention au placement de votre fichier LDF. Et bien je vais vous faire une petite démo pour cette partie table en mémoire.
Alors, la démo avec les bases, les tables, pardon, en mémoire. Donc, dans la première démonstration, je pouvais pas vous créer une base parce que ça mettait un petit peu de temps, notamment pour peupler ma table Fast Internet Sales. Là, comme on travaille sur la polymétrie, je vais pouvoir créer ma base. Donc, je crée une base qui s'appelle DB Hackathon. Et puis, comme je vais stocker des données en mémoire, et bien, faut que je crée un file group avec une option Contains Memory Optimized Data. Et comme ça se base sur la technologie FileStream, ben, mon file group qui correspond pas à un fichier, il correspond à un répertoire sur disque. Donc j'ai créé ma base et mon file group et j'ai associé un répertoire à ce file group. Maintenant, ce que je vais faire dans ma base, c'est que je vais créer trois tables qui vont correspondre fonctionnellement à la même chose. Hein. C'est une table de session à chaque fois, comme une session Internet, donc un identifiant de session, un nom d'application et puis une date d'expiration avec une clé primaire. Ma première table, ça va être du stockage classique. Ma deuxième table, ça va être du stockage en mémoire, mais en faisant du stockage durable. Donc, Durability Schema and Data. Et puis, ma troisième table, ça va être une table en mémoire, mais les données ne m'intéressent pas, donc Schema Only pour la partie durabilité. Je crée mes trois tables. Et là, ce que je vais faire, comme petite démonstration, c'est 100 000 insertions dans chacune des tables. Donc mes 100 000 insertions, ben, je les fais avec une boucle, toute simple. Et cette boucle elle va d'abord insérer 100 000 fois dans session classique, puis 100 000 fois dans session hécatone durable, puis enfin dans session hécatone durable. Donc mon insertion classique, elle est ici, je vais noter ensuite avec une collecte de la date avant insertion, une collecte après insertion, je vais restituer le temps d'insertion. Donc mon temps d'insertion ici, voilà, il est 2,8 secondes. Alors c'est bien, mais j'ai un disque SSD derrière ce portable, donc on a des temps qui sont quand même relativement longs. Je vais faire la même chose avec ma table session hécatone durable. C'est la même boucle. Là, j'ai gagné un peu plus qu'un facteur 2 sur mon insertion. Donc j'ai gagné parce que j'avais pas la lourdeur entre guillemets de tout ce qui est lock et latch du mécanisme transactionnel. Et comme j'avais des disques qui étaient assez rapides quand même, j'ai pas gagné forcément beaucoup plus. Je vais exécuter maintenant le peuplement de 100 000 lignes dans la table non durable. C'est toujours le même script mais avec la table non durable. Ben là, j'ai quasiment rien gagné. Parce que pourquoi effectivement je n'ai pas gagné grand-chose? Eh bien parce que c'est une grosse transaction que je fais. C'est pas 100 000 petites transactions. J'aurais beaucoup gagné en faisant 100 000 petites transactions. Donc j'ai quand même gagné un petit peu. Puis je vous ai parlé tout à l'heure des procédures stockées en compilation native. Là on va essayer d'illustrer un petit peu les gains de performance qu'on va avoir ici. Donc je vais créer une procédure que j'ai appelé insertion native. Donc cette procédure, je la déclare en tant que compilation native. Alors c'est un petit peu barbare, parce qu'il faut mettre des options, schema binding, execute as owner, begin atomic, with transaction isolation level égale snapshot. Puisque on compile la procédure et qu'on ne laisse pas du tout la possibilité qu'elle soit interprétée, il faut lui passer un certain nombre de paramètres. Donc j'ai créé ma procédure stockée, comme j'avais mis une clé primaire sur ma table, ben je supprime l'intégralité de ma table. Et puis, ben je vais juste exécuter ma procédure d'insertion. Donc, pour faire les 100 000 insertions. Voilà. Donc, j'ai mis 89 millisecondes pour insérer mes points. Donc, à peu près 2,8 secondes pour les insertions classiques. On divisait à peu près par deux pour voir les insertions dans une table avec du stockage en mémoire, mais quand même une durabilité sur disque. Je passais à 1,2 secondes, je crois. Je gagnais pas beaucoup au final quand je faisais de la durabilité, quand je faisais aucune durabilité pour ma table. Et par contre, quand j'utilise une procédure stockée compilée et pas 100 000 fois un ordre interprété, et ben je me trouve avec un gain de temps qui est significatif. Donc voilà pour cette démo sur la partie table en mémoire.
Alors, vous l'avez vu dans les précédentes démos, quelque chose qui est fondamental, c'est que on va accéder de manière complètement identique à nos tables en mémoire, à nos tables avec du stockage vertical et à nos tables classiques. Ça, c'est un mécanisme qui s'appelle le query interne. C'est vraiment très intéressant parce que ça veut dire que pour l'utilisateur, c'est quasi spa. L'utilisateur n'a pas à savoir où sont ces tables, quel type de stockage on va trouver derrière ces tables, et puis surtout, ça veut dire qu'on ne va pas avoir à modifier le code. Ce qui est intéressant aussi, et qui va dans le mécanisme de la transparence, c'est que une transaction, elle peut impliquer dans la même base des objets classiques et des objets in-memory. Donc, je peux tout à fait faire une jointure entre une table classique et une table avec du stockage vertical, ou une table qui fait du stockage vertical et une table qui fait du stockage en mémoire. Encore une fois, c'est transparent pour les utilisateurs, enfin pour le code. Alors, ça marche pas dans tous les mécanismes transactionnels, enfin, tous les modes d'isolation de transaction, pardon. Il faut être en snapshot, ou en repeatable read, ou en serialisable. Donc, ça veut dire que le mode historique d'isolation de transaction, qui est le read committed, ben, celui-ci ne permet pas de faire des transactions qui impliquent à la fois des objets de stockage classique et des objets de stockage de type in-memory. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a un petit outil qui s'appelle AMR. AMR, c'est pour Analysis, Migrate and Report Tool, qui va permettre d'identifier les tables qui vont être candidates à la migration vers du stockage en mémoire pour la partie OLTP. Donc, l'idée, c'est qu'on va collecter l'activité sur notre base de données avec des data collectors, qu'on va lui proposer de se connecter à la base pour qu'il voit un petit peu la structure des objets et la structure des objets, donc tout ce qui est table et conseillers stockés, et qu'il va nous produire un rapport qui va tenir compte des différentes contraintes et qui va tenir compte du coût de la migration et qui va nous proposer au final des résultats sous forme de cadran comme on voit ici. Donc, si on regarde le cadran qui est ici, eh bien on voit que par exemple la table employée, on va avoir un gain important en la passant en table en mémoire, et que on a quand même un coût significatif de migration. Donc, très concrètement, il doit y avoir un ensemble assez important de procédures stockées qui travaillent dessus, ou peut-être qu'on a pas mal de contraintes sur cette table-là, donc il va falloir travailler un peu sur les contraintes et ou sur les procédures stockées pour profiter du gain. Si on regarde par contre sur la droite, donc en haut à droite, les tables département employee 1 et employee department history, l'outil AMR nous dit qu'on va avoir un gain fort et qu'on va avoir un coût de migration qui est faible. Donc là, très concrètement, on n'a peut-être pas de contraintes sur ces tables-là, et puis peut-être qu'il n'y a pas de procédure stockée qui utilise ces tables-là. Donc on a tout intérêt à passer ces tables-là en mémoire. Voilà, j'ai fini pour cette présentation. Je vous invite à poser vos questions si vous voulez, vous pouvez les poser dans les commentaires de la vidéo ou les envoyer par mail à bevesan@capdata.fr. Voilà. On remercie les sponsors qui ont permis à l'événement Rebuild d'avoir lieu et d'être gratuit surtout pour les participants. Et puis, si vous voulez adhérer à l'association des communautés MS, vous avez les différentes adresses qui sont ici.